Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Impressionné. Vraiment impressionné de cette Coupe d'Afrique des Nations, les gars. Cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire nous offre peut-être ses plus belles surprises. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu autant de surprises à la suite. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le foot actuel. Le football, il a changé. Plus sérieusement, le football, il a changé. Bon, plus sérieusement. Non, mais c'est vrai, le football, il a changé. Regardez les dernières compétitions, que ce soit en club, même si en club, des fois, c'est différent. Les dernières Coupes du Monde. La différence, en fait, entre ce qu'on appelait les petites équipes et les grandes n'existe presque plus. Un match important, tu verras une Allemagne se faire éliminer, une Belgique se faire éliminer, le Maroc battre l'Espagne, battre le Portugal en Coupe du Monde. Ce sentiment de l'avantage d'une équipe, d'un football, est vraiment en train de se rapprocher. Il y a de moins en moins d'écarts. Cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition qui parfois est quand même assez sous-estimée. Je vous ai toujours dit que c'est une compétition très difficile à jouer. Très très difficile à jouer. Parfois par les conditions météo, il fait très très chaud. Parfois par l'état des pelouses et des structures qui parfois ne sont pas top top. Ce qui demande un football non pas que basé sur la finesse et la technique, mais aussi sur un aspect qui est très important dans le foot, la capacité physique, mentale, le jeu rapide de transition, et moins basé sur « je maîtrise le ballon et ça y est, je vais toujours gagner ». Mais cette année, on a le droit à une belle Coupe d'Afrique, bravo et merci à la Côte d'Ivoire, avec des bonnes pelouses, un très bon accueil, et j'ai envie de dire une Coupe d'Afrique historique. Historique, et on peut évoquer maintenant pourquoi. Bah, quand je vous dis que l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Maroc, quand je vous dis déjà le nom de ces équipes-là, vous me dites « Ouais, c'est dans le lot, il y a 90% des favoris, quoi. » Et quand je vous dis qu'ils sont tous éliminés dès les 8e arrivés, ça y est, après les 8e, toutes ces équipes-là sont éliminées. L'Algérie en phase de groupe, alors qu'ils démarraient à deux doigts de mettre un doublé en première mi-temps contre l'Angola, retourné, truc, confiance, machin, boum! Deuxième mi-temps, match nul, et ensuite t'enchaînes match nul que tu égalises dans les dernières secondes, et après tu te retrouves dans le dernier match à perdre. Là où tu pouvais être sauvé en faisant un simple match nul. Là, c'est l'événement, c'est l'effet marquant. J'étais dégoûté. Derrière, t'as le Sénégal. Sénégal, équipe favori pour moi. Sur le terrain, de ce qu'elle montrait, c'était l'équipe favori de cette CAN. Je les trouve... déjà, le Sénégal, je les kiffe depuis très longtemps, à l'époque de Fadiga, El Hadji Diouf et compagnie. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Et là, tu te dis, bon, eux, honnêtement, ils vont se farcir, tous ceux qui vont tomber contre eux, et peut-être finale, et là, peut-être, il y aura peut-être une finale, Sénégal-Maroc, voilà, Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, un football quand même presque européen maintenant, un football qui ressemble presque à un football européen, tactique, équilibre, ils ont l'expérience avec cette Coupe du Monde, et là, tu te dis, bon, ils s'instaurent comme les favoris en termes de nom, et sur le terrain, moi, je mettais le Sénégal, je les voyais tous les deux aller en finale. Et là, donc, le Sénégal qui joue, et qui a affronté la Côte d'Ivoire, qui a été repêché, éliminé à deux doigts, bon bah qui a viré son coach à deux doigts de prendre Hervé Renard, bref, c'était un truc de fou. Et là, tu te dis, bon, les repêchés, ça va être dur, ah là, t'élimines pas le favori sur le terrain, boum, égalisation, les tirs au but et victoire. Alors les tirs au but, loterie, pas loterie, ce qu'on sait dans les tirs au but, c'est que forcément, tu peux éliminer n'importe qui. Mais ce n'est pas de la loterie à 100%, ça demande des compétences, ça demande un gardien, ça demande de savoir tirer ton penalty, c'est une autre manière de gagner, mais si tu arrives au pénalty, bah, d'une certaine manière, sur 120 minutes, c'est que t'as quand même tenu tête à l'autre équipe. Et là, premier événement qui tape un véritable favori pour moi sur les preuves basées sur le terrain, le Sénégal est éliminé. Et là, tu dis purée, donc là, il y a le Maroc, et je me dis, le Maroc, ils vont avoir un chemin grand ouvert. Tu leur retires le plus gros favori qui pourrait vraiment les battre, et donc, Maroc, Afrique du Sud, hier. Alors hier soir, bon, chez moi, ici, là, il était, c'était l'après-midi. Maroc qui sort sur un 2-0. Pénalty pour l'égalisation. Et si le Maroc avait marqué ce pénalty, il y allait avoir, à mes yeux, forcément une domination. Et peut-être mentalement, ils auraient pris le dessus. Qui sait? On ne sait pas. Pénalty raté par Hakimi. Et là, les gars, le pénalty raté d'Hakimi, c'est un pénalty qui tue à vie. C'est un petit peu le pénalty de Kylian contre la Suisse.
t'es favori, tu te dis tu vas aller au bout, dernière compétition t'étais au top, la coupe du monde Maroc était là, personne ne pouvait imaginer ce scénario. Et pourtant cette Afrique du Sud qui est très séduisante, tout comme beaucoup d'équipes cette année, le Maroc rate son pénalty, Hakimi rate son pénalty, et derrière, coup franc mais de l'Afrique du Sud, mais il est incroyable le coup franc, incroyable, marqué à Yacine Bounou, un grand gardien européen en plus de ça. Bon, et là t'as le Maroc éliminé. De l'autre côté, t'as l'Égypte aussi qui sort, une équipe assez expérimentée, défensive. Le Maroc, tu te dis, mais purée, mais comment ils se font éliminer? Eh ben, tout simplement, moi je vois plein de choses. Déjà, le Maroc, j'estime que en Coupe du Monde, le statut d'outsider était un statut qui leur permettait d'être assez défensif, solide, et un jeu parfait de contre qui a bien fonctionné face aux équipes parfois dominatrices. Mais ils savaient sortir le ballon, hein, c'est pas une équipe qui balançait. En Coupe d'Afrique, ça demande, quand t'es le Maroc, bah, tu peux pas arriver et poser un double rideau défensif, je veux dire. Ça demande un autre savoir-faire dans une compétition totalement différente. Et c'est ça où il y a un bien, j'ai envie de voir le bien de tout ça, c'est de se dire, tu peux arriver en demi-finale de Coupe du Monde et être une équipe vraiment qui a fait peur à beaucoup en battant la Belgique, en éliminant le Portugal, en éliminant l'Espagne, tu perds pas plus 60 contre la France, et t'arrives en Coupe d'Afrique, tu perds en 8e contre l'Afrique du Sud. Compétition à ne pas sous-estimer. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, parce que je vous le disais depuis longtemps, je sais pas si vous vous rappelez, mais beaucoup d'équipes européennes aujourd'hui, qu'on considère très très fortes, ne seraient même pas assurées de gagner la Coupe d'Afrique s'ils jouaient cette compétition. Et je pense que cette année, on a véritablement la leçon qui vient à nous dire la Coupe d'Afrique n'est pas une compétition en dessous de l'Euro, en dessous de la Copa América. C'est une compétition qui a des grands noms maintenant et des équipes capables de battre n'importe qui, même les favoris. On l'a eu cette année. C'est pas juste le Sénégal qui est sorti, c'est pas juste le Maroc qui est sorti. Tous les favoris sont presque éliminés. Donc, dans une compétition aujourd'hui pour faire gagner son pays, presque, j'ai envie de dire, qu'il faut retirer de l'esprit qui est le favori. Voilà globalement ce que j'avais envie de dire aujourd'hui sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, bravo. Et c'est une très bonne image qui est donnée à cette compétition. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.